vous allez bien? Moi, je vais bien, Dieu merci. Alors, aujourd'hui, je vais préparer du saboubouk et à moindje. En français, on dit moringa. Et ça sera au poisson. Donc regardez. Tandis soi. Ito harmoye. Indonie. Comment on appelle ça? Et on a mis le wahayo. Voilà, regardez. Tandis soi hava et mettre dans la casserole. Voilà. Allez, on y va. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment je prépare le moringa au poisson. Allez, on y va. Ensuite, elle sera accompagnée avec du riz basmati, qui est kairi. Moi, j'aime bien ce basmati parce qu'il est bien. Donc, je vais commencer à préparer le riz d'abord. Donc là, je vais commencer à laver le riz. Ensuite, je vais mettre le sel. Alors, il faut savoir que en moindjeune, le moringa, il n'est pas amer. Il y a des gens qui disent, oh, il y en a nyongo. Non. Alhamdulillah, le moringa, le moindje que j'ai dans mon jardin, alhamdulillah, il y en a nyongo. Donc, alhamdulillah. Donc, du coup, comme c'est pas amer, parce qu'il y a déjà des gens. Il prépare à l'eau chaude et ensuite il jette l'eau et ensuite c'est là où il commence à faire la sauce ou le saboubouk. Et moi, alhamdulillah, j'ai pas besoin de faire ça, je lave directement et ensuite je mets la viande, le poisson, voilà. Donc là, maintenant, une fois j'ai enlevé sur les gros bâtons comme ça là. Maintenant, je vais le enlever sur les petits mini bâtons. Regardez, je fais comme ça. Ça, je jette. Je fais comme ça. Et ensuite, je jette comme ça. Savoir que au moins j'ai une sauce à faire avec ma femme. Il y a la vitamine. À taille une marana à faire avec ma femme parce qu'il y a une jésa d'âme comme le patina d'âme. Il y a une jésa d'âme. Quand tu prends le moringa, ça rajoute beaucoup de vitamines. Manque de sang, tu prends ça, c'est beau. C'est bon et
Donc là, mon astuce, c'est que je vais faire comme ça, comme si je passe comme ça, voilà. Et on s'est dit, on se dit, on se dit, on se dit, on se dit, je fais comme ça, je presse comme ça. Parce que tu as dit, 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 faut pas oublier de laver, faut laver. Faut laver parce que il nous voit rien, Nadia au mon jardin, donc tu es obligé de laver. Vous voyez, ça colle moins quand je presse et après quand je mets de l'eau, ça colle moins à la main. Ensuite, je vais mettre du poisson frite, une petite vis et un fil. Mettre la tête. Donc, une iboï, ça s'appelle iboï, c'est pas du bassi, c'est du iboï. Donc tu vis ici parce que yo te bore pour rien, donc tu vas obligé de visser. Chamba si mouy hanga. Je vais passer plus de temps. Donc il boit yo wajibu ni visser. Parce que tu dois bouter bourré, tu dois ta folie bourré, donc du coup tu vas obligé de visser. Et tu es mes amis, non, fou ne chéhi tu. Par contre, zinom mlatu. Par contre, zinom mlatu. Voilà. Ensuite, je vais mettre les tomates. Les tomates, il y a ma sabouki. Nous, c'est pas la masse à bouki, nous, sabouki à moindre. Mouringa. Beaucoup de bienfaits, ça donne l'appétit quoi. Oui, les cousins, on a fait les ma femme. Donc, il y a beaucoup de gens, pourquoi Féliani? Et une des éléments, quand on a un homme, on a un homme. C'est pas ma fille, c'est ma fille. C'est pas ma fille. Il y a beaucoup de bienfaits dedans, donc il faut en profiter quand tu en trouves, faire de la sauce. Sauce normale, foie ou concentré ou sabobou. Mais le ouyanazi ou le mieux c'est le sabobou. Voilà. Une fois on a mis les oignons, on va mettre le tomate, la purée, pour les tomates. En
Ensuite, on rajoute de l'eau. Je vais en rajouter encore de l'eau. On va saboubouquer les matchs. Et voilà. Ensuite, je vais en rajouter du vinaigre blanc. Trois cuillères de vinaigre blanc. On peut mettre du citron si on veut. Et ensuite, je vais mettre le sel. Et le sel, on va le rajouter après au fur et à mesure. Mais au début, il faut toujours rajouter un tout petit peu de sel. Je vais l'ajouter après. Pour l'instant, tu mets. Et on va mettre du piment. Pareil, le piment, vous allez rajouter encore après au fur et à mesure. Donc là, j'ai allumé le feu. Je monte le feu au début et ensuite je vais diminuer tout à l'heure. Là, c'est le moment de rajouter du sel. Et voir aussi si vous rajoutez du citron ou du vinaigre blanc. Au final, je rajoute du citron. Je ne mets pas du vinaigre encore, mais je mets du citron. Et je referme. Donc là, je vais éteindre le feu pour le riz. Ensuite, je vais rajouter du piment. Et j'ai rajouté aussi du sel parce qu'il n'y en avait pas. Il faut durer le plus longtemps possible pour que
moins yves, les tomates. Et que tu fais une heure de cuisson, c'est pas grave. On dit au moins yves et tomates yves. Il m'a dit que c'est un bon zimbabwe. Il n'y a aucun goût. Donc là, le sel, le citron et le vinaigre. Et le sel, le citron, vinaigre, c'est bon, j'ai pas besoin de rajouter. Le chingo chifoutien, le vinaigre, le fraba. Si t'as pas de citron, tu mets le vinaigre, mais le mieux que tu mets du citron. Ou tu mets chouïa un peu le citron, chouïa un peu le vinaigre. C'est comme vous voulez. Là c'est bon, je vais éteindre le feu. Et voilà, ma vidéo de Saboubouki avec du riz basmati est terminée. Pour plus de recettes, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, inshallah. Ciao, ciao. Oh,